Ça va à tous, c'est Galax et bienvenue sur les Gardiens de la Galaxie pour la suite de l'aventure. Très content de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons acheter la dernière amélioration, si possible. Hé hey Rocket, tu bosses sur un truc ? Je bosse toujours sur un truc. L'interroger sur le lecteur prêté, ah oui, c'est vrai. Tu serais pas en train d'écouter ma cassette ? Ah si, 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 si. Non, ça pas le casque sur les oreilles. J'ai des puces implantées dans le crâne, j'ai pas besoin de casque. Waouh ! La musique directement dans le cerveau ! C'est dingue ! Sur quoi t'as besoin de te concentrer, d'abord ? Un truc qui pourrait nous permettre de déjouer l'armada qui protège le sacro-sancte, juste au cas où les 10 têtes de mort seraient en retard. Wow, c'est quoi ? Tu verras. Je suis curieux. J'espère que tu fais pas que regarder. Alors, j'ai 540 composants et ça coûte 600 composants. Génial. Alors, il manque seulement 60, c'est dommage, hein. Et il me semble que c'est la dernière, hein. 14 sur 15. Ouais, c'est une amélioration donc de pistolet élémentaire. 5 sur 5 au niveau de la tenue, 1 sur 1 pour la visière et 4 sur 4 pour les bottes. Effectivement, pourquoi c'est la dernière amélioration et j'ai pas ça. De quoi la prendre, c'est con. Hein. Eh bien écoutez, on va continuer, mais avant toute chose, je voulais parler à Groot parce qu'il a un arrosoir. Pas bête. Tu t'occupes d'arroser avant qu'on parte ? Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Il aurait l'air tellement minable dans sa robe trempée. Quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Groot veut arroser le grand unificateur. Ah, bah ok. Le grand arroseur arrosé. Le grand humidificateur. Je s'appelle Groot. Vous êtes gênant. Eh bien écoutez, on continue les amis. On se met aux commandes. Et on voit la suite. Ok. Attention les yeux. Non, je sais. Attention. Voilà les gardiens de la galaxie. Wouhou ! Je vais vomir. Alors en toute logique, il doit nous rester, je pense, hein, une à deux vidéos, grand max. Et après sera la fin du jeu. On débute le chapitre 14. Voilà. Peut-être la première. Déjà vu. C'est moi ou cette flotte a l'air deux fois plus grande maintenant ? C'est faux. Elle est au moins trois fois plus grande. Je ne l'avais jamais vue aussi immense. Et maintenant ? On éteint la lumière, on coupe les moteurs et on attend que Lady Elbender se pointe. On est sûr qu'elle va venir, hein ? Elle est une femme d'honneur, une reine. Elle a promis de rassembler ses forces. Et combien de temps ça va prendre ? Trop longtemps. Non. Le temps joue contre nous. On doit sauver la galaxie et niquer. D'une façon ou d'une autre, on doit s'introduire et arrêter le rituel. On peut pas affronter cette flotte tout seul. Le petit poilu ? Rocket, mais qu'est-ce que tu fous ? On doit s'introduire à bord du sacro-sancte et empêcher le rituel, non ? Il y a de grandes chances qu'on se fasse ruciner, alors du coup, je vais faire une petite diversion, à plein volume ! Mon baladeur ! Si, je l'ai bricolé pour qu'il balance ta musique de ballerine à fond sur tous les canaux. Le temps que l'église trouve d'où ça vient. On coupe les moteurs et on se glisse discrètement sous leur nez à bord du sacro-sancte. C'est malin. T'es sérieuse ? D'accord. Mais après la victoire, on le récupère. Allez, rentre maintenant. Le baladeur fusée. Ah, c'est la musique qu'on avait au début, ça. Ok, faut trouver où se garer maintenant. Soyons silencieux. Regardez ces imbéciles. Notre piège fonctionne. Inutile d'avoir l'air si surpris. On va récupérer ma musique quand tout ça sera terminé. Désolé, Quill, mais à mon avis, ils vont le détruire une fois qu'ils l'auront trouvé. Dans ce cas, on va honorer ce sacrifice. On peut employer un autre mot ? Mon baladeur ! Là, tu remarques qu'on a la caméra donc sur le baladeur. Et là, par contre, je sais pas où il faut aller, hein. Bon, on va avancer, de toute façon. On va se poser de questions. Ah, mais je contrôle le vaisseau ! D'accord, alors je peux l'incliner un tout petit peu, tu vois, vers le haut ou vers le bas.
Pourquoi on chuchote, au fait? Je s'appelle Groot. Je sais, mais ils peuvent pas nous entendre à travers la coque du vaisseau. C'est bien vrai, ça. Alors pourquoi tu chuchotes aussi? Parce que je veux pas être celui qui fait tout foirer si jamais ils peuvent nous entendre. Voilà, donc dans le c'est doute, pas le cas. Silence. S'il pouvait, il... Chut. À mon avis, il faut continuer tout droit sans se poser de questions. Parce qu'on peut à peine incliner le vaisseau, c'est pas important, je pense. Et maintenant? C'est moi ou on est à l'arrêt? Attends, est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose? Quoi? Par le souffle de Morgath! Oh! Oui! Lady Elbender est arrivé! Gardien de la galaxie, cessez de vous cacher! Les seigneurs monstres de Sekhnath 9 ont soif de combat! On se cache pas, on se faufile! Parce qu'on tient à entrer vivant à bord du vaisseau Temple. Dans ce cas, nous massacrerons un maximum d'ennemis pendant que vous vous frayez un chemin. Mangez, mes enfants! Détruisez leurs coquilles! Et régalez-vous de la tendre chair qu'elles abritent! C'est tellement métal! Bon, ok tout le monde, profitons de la première prière de la gentille dame et prenons d'assaut le sacro-saint! On doit atteindre cette baie d'atterrissage, mais croyez-moi, ça va pas être de l'attaque! Oh la vache! C'est risqué! Ah oui, quand même! Oh, je m'ai fait mal! Y'a du monde, hein! C'est assez oufissime! Et un point! Wouhou! Ça! C'est une bataille galactique. On esquive. On est détruits. J'ai l'impression qu'on commence enfin à maîtriser l'appareil, Quill. Je suis déjà content d'être en un seul morceau. Touché. Bon, attention. J'avais pas vu qu'il y avait des mines. J'esquive. Alors apparemment, faut aller vers le logo bleu, hein, je suppose. Tu as déjà rêvé de combats spatiaux comme celui-là. C'est pas sûr, mais je pense. Ça t'arrive de tracer le vaisseau. Dans le mille. Wow. Des tourelles partout. Ils sont combien au juste? Ils sont sortis facile. Ok. Écoute, j'ai de foncer. J'ai l'impression que certains veulent m'exploser en me fonçant dessus, tu vois, simplement. Et le tour est joué. Ok. Eh, nouvelle tenue. Mantis, t'es sûr que tu peux le piloter? Oui. Ça peut arriver. Attends, tu devrais peut-être... Aux armes! L'ennemi approche! Ils sont méga stylés. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ont tous la même tenue, tu vois. Méga capacité débloquée, don du colosse avait enfin celle de Groot. Après avoir appris à puiser sa propre essence pour réanimer Fin Fang Foom, Groot peut désormais faire de même pour tous les gardiens neutralisés. Et cette capacité est disponible quand vous mourrez, Groot vous réanime automatiquement. C'est bien, ça? Ah ouais, cool. Eh bien, allons-y, mesdames, messieurs, c'est parti. Non, mais faut pas le soigner. Sans faire exprès, j'ai envoyé le soin de Groot, mais on n'a pas vraiment besoin, hein. Attendez, hop là. C'est parti. On sort la grosse artillerie. Allez, on continue là-bas, bim. Je peux pas aller plus loin, ok, très bien. Fais péter le tonneau. Je pense que c'est terminé. Y'a pas de soucis. Non, ça va exploser ici. Tonneau de Drax, vas-y, on a là-haut. Essaye de l'envoyer dessus si tu peux. Laisse pour faire les pics. Je vois plus personne. C'est normal ça. Où êtes-vous les méchants? Ah là-bas. Je les avais pas vus. Ok. Les pics. Vas-y. Fais tout péter. Et le baboum. Badaboum. Gamora, tu peux couper, mais il y a pas ce moment en dessous, du coup, c'est pas intéressant. Alors, éclair, apparemment, ils craignent ça, ils craignent pas le feu qu'on a récupéré, je te rappelle, sur la planète, juste avant, planète gelée. Du coup, on peut
prête-t-elle bien de pas trop s'en approcher. Petit combo. En un coup de pied, je l'ai dégommé. Allez, on le termine. On a trop bien. Il y en a en face, les amis. Piégez-moi ça. C'est le moment, camarade. Bah, la boum. Groot. Envole-moi. Envole-moi. Bah, la boum. Ah, le gel. Faire. Attention, je l'ai vu. Donc l'ennemi peut être également frappé de n'importe où. Combo. Attention. Ouais, je t'ai brisé. Pas sur les éclairs. On est encore loin. Ouais, c'est pour ça que je peux m'entraîner. Oh non, ils ont appelé les zinzins d'élite. Ils nous ont amené la chance. Les zinzins de l'espace. Mon dieu. Groot. Non. On a besoin d'aide. Médecine douce. Ah bah c'est bien, au pire comme ça on va débloquer le... L'avantage c'est qu'on a débloqué le... Le trophée. D'ailleurs, je trouve que les trophées ils se débloquent assez facilement dans le jeu en vrai. Hein. Ah, il y avait un combo. Il est de retour. Allez. Oh oh. Wouhou. Yes. Éclair. Je vous en prie. Allez-y à fond, les amis. Badaboum. Combo pour finir. Tire sur le tonneau, tu peux. Ça devrait exploser normalement, en théorie. Ok. C'est vrai qu'on peut la tirer, n'oublions pas. C'est tellement bon ce système de combat. Oh là là, mais quel jeu. J'adore. Je suis amoureux. T'en prie. Oh oh, le finish de Gamora. Ah, ils sont beaux comme ça. Hein. Alors t'es gentil, mais peut-être qu'il y a des choses à récupérer, non? Parce que là, il me laisse pas le temps de fouiller. En théorie, il faut vraiment se grouiller, quoi. Faut vraiment se grouter. Comment peut-on maîtriser un être aussi puissant que Warlock? Je commencerai par un baillon. Oh là là, mais les tenues. Cette classe. Comment peut-on être sûr qu'ils n'ont pas trouvé un moyen de convertir Warlock? Ça expliquerait pourquoi ils l'ont capturé vivant plutôt que de le tuer. Il y a des saletés de machins de foie un peu partout. Il a déjà failli nous tuer quand il était tout piteux, alors imagine... Warlock déteste le Magus. Il l'a déjà mis dehors une fois. Ils se sont peut-être rabibochés, tu nous as mis dehors, broutez-moi, mais on est là. C'est faux. Vous êtes partis. Ça revient au même. Non. Si le Magus avait converti Warlock, il serait venu nous accueillir. Alors, je fais bien gaffe à ce qu'il n'y ait pas des composants. Parce qu'il m'en manque un tout petit chouïa. Pas de looping. Pourquoi elle fait ça? Ne faites pas attention à moi. Ok, vu. Vous on envoie. Chaque fois, j'active le truc de soin alors que j'en ai pas besoin. C'est quand même terrible. Je te rush. C'est peut-être une mauvaise idée. Oh le couillon. Ça dégage. Boum a déjà dû écraser la moitié de l'armada. Et boum. Pour être sûr. Ces types ne craignent rien. Ils sont totalement. Bon, c'est un combat rapide, hein. Et il y en a des millions d'autres comme ça. Espérons que Mantis et les Diablos. Combat plutôt expéditif. Hé hey, on peut passer par là. Tu viens, Quill? Oui, j'arrive. Je vais voir s'il y avait un autre passage. Et on rentre comment, dis-moi? Attends. Y a un truc là. Ok. Bien sûr qu'on nous observe. Vous envoyez quelqu'un là-haut? Ou alors faut faire quelque chose, je me souviens plus. Ah d'accord, faut juste tirer dessus. Tu nous emmêles toujours ou quoi? Ça va, on a compris. On est désolé d'avoir mis le bazar la dernière fois. Wouhou! Attention, je m'immisce là-dedans. Elle tout pété, Rocket! Badaboum! Ça a pas craché le Milano! Cible! Tu nous as donné du pilar! Nous sommes incroyables! Mais c'est fini! De l'autre côté! Vous taillez en pièces! Je pensais que tu ne vendrais jamais! Imaginez le carnage que doit faire régner les gars de l'heure dehors! Mon Draxou! J'ai déjà dû écraser la moitié de l'armada! Ce qu'il y a de bien avec les éclairs, tu vois, c'est que ça. Ça les touche vraiment tous ensemble. Bien pratique. Le combo! Il y a peut-être un placard géant quelque part dans le vaisseau! Et en plus, on recommence! Je s'appelle Groot! T'as raison, c'est eux qui ont commencé! C'est une grande secte! Il y a forcément des gens pour nettoyer!
Je pense pas que c'est un niveau en vrai où on pourra récupérer justement des composants. Je pense que je vais arrêter de chercher. Ça, on peut pas te geler par hasard? Non, y'a pas de passage secret. Je vais un peu chercher trop loin là. J'aimerais bien voir ça, mais de l'extérieur. Ouais, essayons d'être partis quand elle s'y mettra. Ah, parfait, voilà l'équipe de ménage. Ok, là par contre, c'est les flammes. Très bien. Je ne pense pas que ce soit les. Faut leur briser les boucliers. Ok, alors attendez. Maintenant, tac tac, on y va à fond les ballons. Voilà, grosse artillerie, tout ce qu'il faut. Laisse-moi le viser, s'il te plaît. Ok. Wouhou! Le sniper là-haut, attends, je la tire. Ah, je peux plus, attends. Pour l'instant, je peux plus. Drax, envoie-moi ça sur l'un de ceux là-haut. Je suis bloqué! Je suis bloqué, les amis. Aidez-moi! Ah, le jeu m'a débloqué. Ah, c'est bien ça. Viens par là. Ok. Mon Drax sourd. On va leur donner un tronchetta. Parfait. J'ai eu les deux, je crois bien. Voilà. C'est géré. Ah, maintenant, on a un sentiment de facilité en combat quand même. Et nous allons l'éviter. Tu vas pas me dire qu'en fait ça se trouve jusqu'à la fin du jeu on va plus récupérer aucun composant et qu'il va manquer une amélioration en tout le jeu. Startons pion, appuie sur la loupette orange qui clignote furieusement sur le tableau de bord. Laquelle? Celle sous le scotch. Oh, elle est jaune maintenant. Orange. Jaune. Oh, ignore-la, Mantis. T'as mis du scotch sur les voyants lumineux? Déconcentre. Plus de scotch pour toi. Mais c'est mon scotch. Ah, je suis sauvé les amis, ça y est, j'ai 600. Pour l'amélioration restante. 600 composants. Ça fait du bien. Mantis, t'es toujours vivante? Comment ça? Maintenant. C'est une question piège avec beaucoup de réponses, Tartar. T'as compris ce que je... Oh, laisse tomber. Par contre, est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir plus de composants? Parce qu'il y en a que j'ai souvent manqué dans le jeu. Mais quand on a toutes les améliorations, ça sert à quoi? Plus sûr. Clairement pas. Et j'ai d'autres priorités pour l'instant. Je reste là pour pas partir en arrière. Vas-y, Roquette, ou sors pour voir. J'ai l'impression d'être revenu sur cette nappe. Au moins, il pleut pas. Appelle pas de malheur. Tu vois ce que j'avais dit? Super bien vu. Ok, c'est bon. Reste là normalement. Y'a pas de soucis, faut les tirer. Faut les tirer vers nous. Ce vent n'arrivera pas à briser notre détermination. C'est pas faux d'essayer. Résiste, rongeur. Résiste. Où que tu existes. Et les combos en arrière. Ok, allons-y. On avance. Ok. Je reste tranquille ici pour l'instant. Là-bas on peut pas y aller. Il y a un composant par là. Il faudra continuer d'avancer ensuite. Ok. Abrise-toi derrière quelque chose. J'ai bien compris. Tout va bien. Composant, voilà, ça nous en fait 660. Mais ouais, j'avoue que je ne sais pas trop à quoi. Ah non. Comment vous servir les autres? Allez, tiens, ça, je vais. La deuxième aussi. C'est bon. C'est bien joué, il y en a encore deux un peu plus loin là-bas. Après, il faudra monter peut-être, non? Je ne sais pas. Là c'est chaud. Non, c'était sûr. D'accord, je vais tomber 50 fois, non? Est-ce que vous avez le vent plasma radioactif ou le ventilateur géant cette fois? Le ventilateur. Il n'y avait pas un truc là-haut? Regardez. Peut-être moyen de les tirer, non? J'essaie de voir un truc là, ça m'épate moi. Je pense qu'il y avait quelque chose là-haut, mais c'est pas grave. On va pas s'embêter. Hein. C'est sûr qu'il y avait un truc à récupérer. De toute façon, si j'ai envie de faire le 100% du jeu, il me manque des succès. Je vais être obligé de recommencer une partie. Ouais,
est par là, Bouton d'Or. Allez. Je s'appelle Groot. Ouais, on passe par l'espace. Pas tellement d'autres options. Une théorie. Voilà, gravité artificielle. Je me doutais qu'un vaisseau pareil s'en servait pour de la maintenance. C'est trop cool. Attendez. Vous voyez, un jeu d'enfant. C'est trop bien. Ouais, le signal vient de l'intérieur de cet énorme rocher. Allez, c'est parti. Évidemment, il y a du monde devant. Salut vous. Roquette, c'est quand tu veux ensuite, hein. Les petits pics. Ça vache. Vas-y, mon roquette. Ils ont une aura bleue autour. Hein. Ah. Eh, mon Drax. Je t'en prie, roquette. Drax, j'ai vu un autre tonneau. Profite des objets de l'environnement. Ça transmet. C'est trop bien. Ok, Drax d'abord. Les boucliers. Ensuite, Gamora. Ok, glace. C'est bien, ouais, ça. Ah, sniper là-haut. Ça va être trop lui, ça. Je vais le chercher, lui. Viens par là. Hop là! Petit saligo! Hop là! Allez, cyclone! Drax, t'occupe de lui, bouclier! Ok, je pense pas que c'est un méchant. Combo! Je te brise! La galaxie toute entière nous est tombée dessus! Et un autre tonneau par là. Vas-y, mon Draxou! Le sorcier galvanisant faiblit. Combo. Génial. Éclair. Ah oui, c'est les éclairs qui craignent, ok. Ça donne envie de jouer dans la mêlée. Lâche-toi, Drax. On voit. On est en trop bien, de toute façon, on a le grade maxi là. Vous croyez qu'on aurait pu démarrer ici? Retournons à l'intérieur. Tu pourrais mourir en silence. Eh, hey, meurs en silence, merci. Extinction des feux pour le soldat éliminé. Ça, les flaquignoles mortes. C'est parfait. Roquette, tu viens d'inventer ces mots ou ils veulent dire quelque chose? Ils veulent dire que j'en ai marre qu'on me tire dessus. Festifla, mou du flanc. Roquette, tu peux faire sauter ce verrou? Bon, bah échec complet. Ah, le panneau est foutu, mais j'ai une meilleure idée, bouge pas. Excellent travail. T'as interdit de m'appeler comme ça. Attention, on a de la compagnie. Ok. Gamora, fais un tiers d'arbre. Groot, à toi. Je t'en prie, mon Groot. Artillerie lourde. Ça transmet. J'approche. Tac. Ce bordel, on est tellement fort. Ah, allez, allez, c'est bon là, c'est par là, allez, hop. Allez, on continue. J'ai même pas vu la note de combat que j'ai eue. Tellement ça allait vite. Oh, on se travaille dessus. Oh là là. On peut être en route pour le paradis des monstres. C'était une mort digne. Mantis, comment ça se passe là-haut? Il y a beaucoup de morts. Très attention. On tenait bon, ok? On avance bien. C'est un bordel. Pour la sauce. À toi de jouer. Drax, fais les terres. Fais-en les sushis.
fabrique le plus en plus, non ? La promesse étant son emprise sur la galaxie. Ah, j'adore ce niveau. Tu sens quand même qu'on se rapproche de la fin, on a une sensation de puissance énorme. Il faut savoir qui va planter tous ces cadavres, vu qu'il n'y a pas de terre ici. Il parle d'enterrer les morts. Bon, alors, trouvons un moyen de sortir de là, j'ai l'impression qu'on est pressé. Utilise tes pistolets, Peter. Non, je pensais qu'on pouvait passer en face, mais à mon avis c'est un peu loin. On doit pouvoir l'atteindre de l'autre côté, hein. Pistolet, feu, je suppose. Vous pensez que l'IA va se retourner contre nous quand ce sera fini ? Ouais, ça fait. Allez, on nickel. Continue d'avancer. Peter Quill, je crains de ne pas pouvoir faire de mal à ta fille si elle est perdue. Je s'appelle Groot. Mais bien sûr que tu ne le laisseras pas faire. Mais imagine qu'elle nous laisse pas le choix. Je veux pas être méchant, mais il y a un truc qui tourne pas rond chez cette gamine. Et puis. Je m'en occuperai. Même si ça veut dire que. Je m'en occuperai. Je s'appelle Groot. Merci, Groot. Ah, t'as vu, on a même plus besoin de lui demander. Maintenant que nous avons terrassé Foum, nous pouvons nous attaquer à d'autres bêtes légionnaires. Les gars, vous pouvez encore vous rendre. Et reparti. Lâchez vos armes et on sera quitte, ok? Allez, signez, camarades. Wouhou. Ah, faut tuer le grand d'abord. C'est pas trop tôt. Combo. Oh la la. Ouais, plus vite on va battre un, ce sera. Allez, on le shoot. On va bientôt débarrasser de ces fanatiques. Ces âmes perdues ne savent pas qu'on s'arrêtait. Arrivé le combo, j'ai loupé. Quel dommage. Maintenant. Ok, ça c'est le feu. Brûle. Voilà. C'est bon ça. On passe sur les éclairs. J'ai prêt. Trouvez-moi une ouverture. Voici ton ouverture. On aurait peut-être pu demander s'il y avait quelqu'un en bas. Le feu. Je préfère les prendre au dépourvu. Attends, sauf que j'en ai un ici. Pix, s'il te plaît, merci. Par contre, j'utilise très peu les attaques de Quill, hein, c'est vrai. Regardez, ils se sont rendus. Nos arguments étaient imparables. Et nous les avons terrassés. J'ai l'impression qu'un monstre va s'écraser contre le mur à chaque instant. On serait très très mal. On pourrait peut-être repartir. J'aimerais quitter cette enceinte. Je ne vois pas la bataille. Ouais, c'est surtout que tu peux pas mater Lady Elbender. Et Finn Farm Foum. Vous pensez que Foum nous en veut encore ? Nous l'avons vaincu dans son antre. Il nous considérera toujours comme ses supérieurs. Ouais, mais il fait partie du chenil de Lady H maintenant, et elle nous en veut. C'est vrai. Retour okay. À l'extérieur. On y va. Encore une scène de combat. Ça va chier. Ces types sont pires que les Terminators. Alors ça... C'est nous qui allons les terminer. Pire que T-800. Allez go, on se met dessus. Du feu. Ils aiment pas ça. Ah non, regarde, on le déglingue. L'autre dit on arrive à peine à les rafler, on les a déjà terminés. Comme s'ils ont gardé le script de quand on avait découvert ces monstres. Dodio. Non. Je passe en dernier, moi. Hein. S'enfuira pas à nouveau. On non, va l'en d'accord. Empêcher cette fois. Ah ! J'avoue que je suis impressionné, Peter. Vraiment ? Ton plan complètement dingue fonctionne. J'aurais jamais cru que Lady Elbender viendrait. J'étais même pas sûr qu'on trouverait Foum. Ah, on l'a fait ensemble. C'est pas que moi. Ouais, mais c'est quand même toi qui nous a réunis. Et qui nous maintient ensemble. En dépit du bon sens. Ça, c'est parce que vous avez aucun bon... Bon sens. Ok. D'accord, ça shoot dessus, très bien. Éclair. Et la sauce. Ah, lui, c'est la glace. Très bien.
C'est mon gros, ça. Voilà, par contre, je crois que ça mérite mon attaque spéciale. Ok, là-dessus. Capte-toi, Drax. Lance ceci. Et que ça saute dans les airs, on adore. Attaque spé, là-bas. C'est incroyable. Le gel. Route. Éclair. Grosse artillerie. Le combo. Ah, oh, j'ai loupé, j'ai pas eu le temps. Trop dommage. Rocket, je t'en prie. Aïe, je me fais bousculer. De Dieu. J'ai perdu le trop bien. J'avais comme l'impression d'être vraiment la cible prioritaire. Ok, j'avance. Esquive. Maintenant. Touché. Allez. C'est pas mal. Sniper là-haut. T'es par là, toi. Wouh. Ok, alors il est touché, pas mort. Je l'ai. Ah, j'ai plus de magie, zut. J'ai plus de magie. Roquette. Putain, ils sont chauds certains, oh. Oh, c'est bon, on est en trop bien. Drax, tu me chopes ça, s'il te plaît. Comme il t'a esquivé, mon pote. Ça fait mal, ça. Il faut geler pour l'empêcher de bouger, parce que là, c'est vrai qu'il est très speed, lui. Allez. Il est fort, hein. Vas-y. Gamora, grosse attaque. Je me demande si on peut le choper, en vrai, lui. C'est le chef, non? Il est ouf. Ah non. Dommage, il y avait l'attaque. Vas-y. Combo. Il va trop vite. Trop vite. Vas-y, je t'en prie. C'est bon, on l'a eu, hein. L'autre là-bas, par contre, c'est pas le cas. Vas-y, boum. Yes. Métal. Ouais. Je s'appelle Groot. Content que t'aies récupéré ton lecteur, Quill. Enfin, c'est toi qui l'as balancé dans l'espace. Eh, ça a marché, non? Bon, bah tout va bien. Je suis blessé psychologiquement. Ah! Attention, c'est encore chaud. Faut dégager le passage. Tu peux couper c'est ça, bon, Gamora. Je m'en occupe. Ça, c'est pour Gaga. On retourne dans un trou, monsieur Super. Voilà. Tu aimes les trous. Et en partie. Je déteste. Oula. Je ne pas faire ce soir. Qu'est-ce que tu veux dire? Toi, non. T'as bien des autres, hein. On envoie tout, hein. Dans ça, Drax. Vas-y, mon Draxou. Oh, j'ai pas vu ça. Et un bras en moins, hein. Ah, il craint le feu, c'est vrai. Ah non, pas lui. Lui. J'ai l'impression que ça fait une heure que je tire sur ce robot. Ah, ils sont rouges en même temps, hein. Ça paraît logique. Allez, Gamora.
What? On me tire dessus depuis tout à l'heure, j'ai pas vu. Honteux. Vite! On le termine. Je vais m'occuper d'abord les deux gros, moi. Ok. Allez, c'est vrai qu'il y en a partout par contre là. Hein. Oula. Ok. A limite, il aurait fallu que je prenne mon attaque d'invincibilité, ça aurait été plutôt utile finalement. Vas-y mon Drax. Je t'en prie, balance des objets à fond. Encore, t'arrêtes pas. T'es le meilleur, t'es le best. Badaboum. Les piques. Ah, j'aurais dû l'envoyer plutôt. A déjà pardonné. Le grand prédateur nous considère comme ses égaux. Électricité. Non, tu l'enchaînes. Ah, ah. Tout ça pour un petit ennemi, c'est un petit peu too much. Allez, termine-le. Ils suivent l'autorité de la reine des morts. C'est acharnement. Tu crois qu'il y a des gens à l'intérieur de ces trucs? On a vu des trucs plus bizarres. Dans tous les cas, ils me foutent les miquettes, moi. Allez, venez, on doit remonter trouver Warlock. Allez, hop! Laissez-moi faire! Si nous survivons, nous devrions inviter Lady Elmender à rejoindre l'équipe. Il n'y a pas de place pour elle dans le vaisseau, elle fait au moins 3 quills de haut! Un quill et demi. Et encore? Son armure doit peser au moins 6 quills. Vous savez quoi? Et si on votait? Qui veut inviter Lady juste au corps? Non. Oui. Non. Peter Quill. Groot. Je suis sûr qu'elle veut encore me tuer, alors je vais dire non. Pour sa défense, c'est le cas de beaucoup de personnes. C'est pas faux. Groot, attention! J'arrive! Oh! Oui! Bien joué, alors ça, c'était une surprise. Ah, la chance nous sourit. Nous ne serons pas aspirés dans le néant. Sauf si Racker désactive la gravité artificielle. Espérons qu'il soit trop occupé avec le rituel pour penser à ça. On est sûr que Warlock est à l'autre bout du vaisseau? Ouais. Tant qu'on continue d'avancer tout droit, on est bon. Nous avons donné un sens à notre vie. Nous ne mourrons pas ici. Mais si c'est le cas, nous irons dans l'Ultas. Une correction. J'irai dans l'Ultas. Et vous, vous irez dans les paradis païens auxquels vous croyez. Mais je demanderai s'il y a de la place pour vous dans le mien. Je suis simplement mon intuition. Lady Elmender se joindra peut-être à nous pour la suite finale contre le Magus. Elle a déjà pas mal de boulot sur les bras, je crois. Oui, des bras puissants et musclés. C'est bon, on a compris. Putain, mais il est en kiff, lui, hein. Il est amoureux. Où est-ce qu'il va maintenant? Ça s'appelle du repérage, ok? C'est dommage que Lady Elmender ait pas eu une armée comme ça pour nous soutenir pendant la guerre galactique. Elle bâtissait sa légende. Mais elle nous honore de sa présence. Ouais, essayons de rester dans ses bonnes grâces. Ça vaut mieux, je pense, vu le dragon, hein. Même si on l'a déjà battu. Espérons que ça se passe aussi bien. Ça fait beaucoup de monde. Cosmoun, c'est toi qui es là-dedans. Спасибо, Гардиан де Галаксии, d'avoir aidé Cosmo pour éliminer Promesse. Il ne court plus après le serpent qui est bout de bois. Et regardez, Cosmo vous rapporte Nowhere. Ouais, on a remarqué. Et famille. Dites priviet, mes petits. Ah, c'est bon de te retrouver, mon grand. Ah, Cosmo a point commun avec les vilaines puces. On pense être débarrassé jusqu'à ce qu'il vous croque dans le couenne.
C'est vraiment un bon chien. Niet. Cosmo est meilleur des chiens. Maintenant, on écrabouille vilaine plus comme elle le mérite. Attaque! Je savais pas que Nowhere pouvait balancer des rayons de la mort. C'est trop cool! Et le cabot a la patte sur le gros bouton rouge. Je dois être plus sympa avec lui. Et du coup, on évite le gros combat, quoi. Trop cool. C'est comme dans Hero 4, on a bien fait de l'aider, quoi. On devrait rester en mouvement. Nous sommes en mouvement. Bon, bah alors on devrait accélérer. J'aimerais tellement confisquer ce vaisseau. Une fois à l'intérieur du rocher, on risque de se retrouver nez à nez avec le grand unificateur. Et on va lui briser le nez. J'ai qu'un seul de ses bras. Attendez, il y a un truc qui cloche. Je sais pas quoi, ça. Poussez-vous, poussez-vous! On s'en est sorti. On est vivant. Oui, bien vivant. Ouh, le signal du mouchard est vachement plus puissant ici. On approche. Les potes de Racker vont pas nous faire de cadeaux, à mon avis. On est là pour Adam Warlock. Apportez-le nous et on vous laissera partir. Je t'écoute pas. Allez, fonce, prenez-nous, c'est les bras. Rassemblement, ça faisait longtemps, tiens. Ouvrez l'œil. L'ennemi pourrait se planquer n'importe où. Il y en a d'autres côtés aussi qui arrivent. Ok, on continue par là. C'est notre dernière chance d'éliminer le Magus. Ça se transmet. On tente le tout pour le tout. On lui claquera la porte au nez comme on a fait à Nowhere. Attrapez ça. Faut que quelqu'un arrache ce moutard des fesses de Warlock. Lui de balle. Ah bah j'ai bien fait, tiens. C'est hors de question. Vraiment quelque part dans ce trou. La gamine, je sais pas, mais voir la pluie. Ouais, maintenant, on les enchaîne. Je suis prêt à tout détruire. Tout le monde derrière, y'a plus personne. Nous serions probablement perdus sur la trame insecte. Super gardienne. Dis ça comme ça. D'autres adversaires, Peter Quill. Vas-tu aussi essayer de leur faire entendre raison? Ça marchera pas. Butez-les! C'est une bonne résolution. Ah, des cibles doubles, bouge-toi, Rochette! Presque aurait pris un temps! On enlève le bouclier! Vous sentez une différence? Je suis presque sûr que le Magus va dévorer nos âmes. On le sentirait quand même! Continuons! La source du signal est bien plus loin dans les mines. On a récupéré par là, il n'y a pas le petit logo. Ah bah si, maintenant il y a le petit logo, tiens. Quand on parle du loup, ici. De toute façon, je n'aurais pas besoin d'autant de points. Quand je pense que l'église est partie d'un groupe de mineurs. Ils auraient dû se contenter de creuser. Il est prêt à subir son châtiment. Je suis tombé. Je suis retombé. C'est horrible ça. Ils voudront pas décevoir papa monstre. Les éclairs bien sûr avec plaisir. Les mines sont encore exploitées. Il paraît qu'ils utilisent ces métaux précieux pour leur technologie de soi. Ils vont bien produire les pyjamas dorés du grand unificateur. Hé le méchant, on
Allez. Warlock se trouve par là. Faites on vous emporter un peu, s'il vous plaît. Personne voudra t'échanger cette cochonnerie quand l'église aura disparu, c'est trop risqué. Cette saloperie en quête, je vous fais mal. On enchaîne. Wow. Lui, c'est le feu. Mickey est vraiment quelque part dans ce trou. Brûle. Et tu présentes. Ah bon, elle n'a pas l'air d'être léchée. Un peu drôle. Un bon en moi, hein. Combo. C'est bleu là. Gars, autre combo, on enchaîne. Selon les règles d'activisme dans l'espace, l'ennemi attaque sans avoir été provoqué, t'es en droit de garder le butin. Ah, on les a clairement provoqués. Ils nous ont provoqués en premier. Chaque fois. Coupe, Gamora. Oh, 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 oh. C'est énorme ici. Bravo, Rocket. Sa carapace métallique résiste à mes poings. Alors on va tous lui tomber dessus ensemble, découper en rondelles. Feu. J'en vois. Réveillez-vous. Maintenant. On va pas lui faciliter la tâche. Le combo. Feu trop. Oh, le badaboum pour conclure, magnifique. Super idée, donc. Si on s'en sort, on devra absolument revenir ici pour remplir la soute. Et vendre le minerai au marché noir, en récompense pour notre super boulot. Ça me paraît juste à moi. Bon, ben, on pourra jamais y arriver. Peter s'en occupe. Ah ouais ? Peter Quill possède les armes magiques. Ok. Yep. Bien ce qu'il me semblait. Ça passe. Rocket, bonjour. T'es sûr que Warlock est par ici? Ouais, à moins qu'il ait jeté le bouchard. Je ferais pas ça s'il le trouvait. Ceci est une inspection de sécurité. Présentez vos documents afin que nous les validions. Restez sur ce reste. On voit plus rien, Boudon. J'ai piqué ce fanatique au vif. Boum. Vous avez lamentablement raté l'inspection. Ils sont morts, Drax. Ah. Alors là, c'est la glace. Comme ça, on passe en face. J'ai trop hâte de vanner boucle d'or sur la raclée qui s'est prise sur Noël. Ce vieil établi est un peu crade, mais j'ai fait certains de mes meilleurs boulots avec des outils crades. Un établi, ça faisait longtemps. Allez, Rocket, préparons-nous pour on le va grand final. Enfin, on va faire ça bien. Ce sera peut-être le grand final. Ah, d'accord, c'est juste après alors. Oh, je me demande si on va pas s'arrêter ici, moi. Dis donc. Tir chargé, donc je prends ça. Dernière amélioration. Voilà, c'est pour toi. Est-ce qu'on va avoir un petit trophée? Ça serait trop bien. 5 sur 5, 5 sur 5, 1 sur 1, 4 sur 4, 15 sur 15. Bah voilà, on a tout pris. Donc à propos de ce petit bonus. Et y a pas de trophée. C'est honteux. Alors le tir chargé est une attaque supplémentaire que vous pouvez utiliser pour infliger des dégâts de chancellement avec votre arme. Appuyez deux fois sur R2 et maintenez pour amorcer votre tir chargé. Ah d'accord, relâchez, tiens, inflige un chancellement des dégâts physiques. Ok. Très bien. Cette fois, je suis prêt à en finir. On est deux. Ah oui. D'accord. Je sais pas si je vais vraiment beaucoup l'utiliser en combat parce qu'il faut que ça aille vite, hein. Il faut que ça décanille, enfin. La fourrure tout hérissée. Mais... Il y a encore plus de puissance ici que dans le cortex. Ça s'appelle Groot. Groot le sang. Wow. Eh, regardez. Même ici, ils ont la chaîne Adam Warlock. En parlant de boucle d'or, ils devraient être juste derrière cette armée de robots tueurs géants. C'est pas vrai. C'est protégé par un bouclier de foi. Tu crois qu'on peut le débrancher comme sur Nowhere? Ça se tente. L'offensive de l'Église universelle de la vérité est intolérable. L'usage de la force létale est accordé. La capitulation n'est pas une option. Je s'appelle Groot. Ah, nom d'une teigne, ils sont revenus. Ça, c'était sûr. Atomisez-les, Worldmine. Gardien de la galaxie. Il est impératif que vous évacuiez ce vaisseau avant que nous commencions à faire feu.
Eh, pas si vite. Adam Warlock est à bord du vaisseau. Incorrect. Adam Warlock a péri au cours de la guerre galactique. Non, il est ici. Et vivant. Il est toujours vivant, hein? L'Église a enlevé le dieu doré. Nous allons le libérer. Vous l'avez reconnu. Adam Warlock est le seul à être en mesure de les arrêter. C'est d'accord. Nous allons nous contenter de faire diminuer leurs appuis. Pour l'instant, hâtez-vous. Gardien. Ouais, Y a juste un petit obstacle qui nous embête. Avancez. Et admirez la puissance dévastatrice de la Force Nova. Ouais. Avoine. Ça avoine. Ah, dis-moi, rien à récupérer avant, non, on peut y aller, se porte-tu, mon kiki? Est un puissant sorcier. Route, aide-les. Rocket, explose, explose tout, camarade. Ça nous ferait de voir un souffler un peu, Groot. J'étais venu de l'espace. Il y avait péri. Ravi qu'il soit mort. Il lui reste une cloche. Effectivement, ça meurt tout seul, hein. Plus un pour moi. Incroyable. Cette machine suffit de la survivre. La voie galactique. Oh là là, bah rappelez-moi de jamais énerver les Nova. Correction. Rappelez-moi d'arrêter. Là, Warlock, bougez pas, j'appelle un taxi pour rejoindre le boucle d'or. Accrochez bien vos ceintures. Oups, y en a pas. Grand unificateur. Baissez-vous. Tu viens enfin confronter le captif, le titiller. Veuillez m'excuser, je n'avais plus de place sur le disque dur. C'est pour ça qu'il y a eu une coupure, donc on va reprendre. Pour une fois, Caroline de Mire. Non, on peut pas risquer de déclencher un combat tu ici. Tu débarques à l'aube de notre ascension. Et pourquoi? Tout nous prendre à nouveau? Ah, que t'ai-je jamais pris? Ma foi, et pas seulement la mienne. Tu as abandonné tes fidèles. L'Église même que tu m'avais aidé à créer. Tu nous as laissé croire que notre dieu était mort, et avec lui, tout espoir de retrouver nos êtres chers. Je croyais que... Tu m'avais promis, mon fils. Je t'ai promis un pardon. Tu cherchais l'assujettissement. J'ai commis de nombreuses fautes, mais ta folie n'en fait pas partie. Assez! Assez! Le véritable conduit divin attend. Tu n'es qu'une coquille vide, une ombre effacée. Mais toi aussi, tu sentiras la lumière. Entends-moi! Cesse ce carnage! Raqueur! Gardien, brisez mes entraves. Raqueur prépare son rituel de restauration en ce moment même. Rocket, tu peux le libérer? S'il le faut. Laisse-moi deviner, les pouvoirs de Raqueur étaient plus pernicieux que prévu? Inutile de nous attarder sur les hypothèses du passé, fille de Thanos. Bientôt, la foi effrénée de Raqueur sera sur le point de sévir pour nourrir l'ennemi de l'intérieur. Ça n'arrivera jamais. On va empêcher ça tous ensemble. Pas vrai? En effet. Ok, en avant tout le monde. Venez, pas le temps de bailler aux corneilles. Je peux le raccrocher là-haut, hein. Me tente pas. Si le Magus prend forme physique, sa soif insatiable consumera toute la création. À moins que tu l'aspires avant. Ce n'est pas si simple. Nous devons extraire l'entité qui s'est emparée de l'enfant. Mais qu'est-ce qui restera de Nikki? Si sa flamme brûle encore, elle erre sans but.
dissoute dans un songe délaissé. Pax avait les deux pieds dans la promesse, et on a réussi à le sauver. Je serais encore avec les fantômes de ma famille si vous n'aviez pas été là. Le Magus maintenait le meurtrier Catassien captif. Je s'appelle... Will, c'est la fin du monde. Appel. Allez, on se bagne! Réjouissez-vous! Vous arrivez juste à temps pour le grand miracle! Grand Unificateur, pouvez-vous les tenir en place, qu'ils soient témoins? Volontiers. Préparé pour maman, elle va bientôt rentrer. Allez, lève-toi! Quoi? Qu'est-ce que... Oh. Aidez Nikki à voir la vérité. C'est une réplique minable. Les coutures ont lâché. Comment j'ai pu y croire? Faut que tu m'aides. Maman va bientôt rentrer déjeuner et tout doit être parfait. Nikki... Son anniversaire. C'est aujourd'hui. T'as encore oublié? Papa? Papa? Écoute-moi, d'accord? Rien de tout ça n'est réel. T'es sérieux? Papa! Tu m'avais promis de m'aider à lui préparer une surprise. Non, pas du tout. Oui! Tu m'as dit que tu m'aiderais à réparer l'holoprojecteur et il faut mettre des bougies sur le gâteau. Et je retrouve pas son cadeau. Oh, allez, Nikki. Tu ressens pas une impression de déjà-vu? Non, je l'ai commandé sur la planète à pâtisserie. Ce passage a toujours été bizarre. Mais non, je l'ai fait. Ok, il ne reste plus que le cadeau et le projecteur. Ok, Nikki, et si je te disais que rien de tout ça n'est réel? Bah, non, c'est pas normal. Il y a un problème de mise au point. Tu peux arranger ça? Et si je l'arrange pas? Coincé dans un rêve d'enfant, on va tous mourir. Tu y arrives? Ouais, génial! Bon, d'accord.
Ça, c'est cool. Ça rend super bien. J'étais sûre d'avoir raté un truc. En parlant de trucs ratés... Ouais. C'est Ala et le système autour. Je crois que j'ai oublié aucune lune. C'est magnifique, Kiki. Il ne manque plus que le cadeau. Il doit être quelque part dans ma chambre. Son cadeau, il était là. Voilà. Joyeux anniversaire, tendrement, Kiki. Qu'est-ce que je suis censé faire? Tu l'as trouvé? Oui. Cool, mets-le avec les autres. Super. Par là. Là, mets-le sur la table. Est-ce que ce que je dis a la moindre importance? On l'a acheté ensemble, sur Nowhere. Tu sais, au marché où on est allé et où elle a vu ce tableau? De Krillar. Ouais, ça répond à ma question. Est-ce qu'on peut parler, maintenant? Je crois, ouais. Comment c'est? T'es vraiment à fond dans la promesse. Merci, papa. Je t'aime. Oulala. Peter, ouvre la porte. C'est maman. Je vais vérifier que tout est parfait. Va lui ouvrir. Oh, je suis super content de te voir. Il se passe des trucs de barge. Nikki tourne en boucle, peu importe ce que je lui explique. On doit absolument lui parler tous les deux, d'accord? Peter... Oui, je sais, il nous faut un plan. Il n'y a pas de nous. Ok, je sais. Écoute, j'ai pas mal merdé par le passé. Peter... Si on veut s'en sortir, on va... Je suis morte, Peter. Ouais, mais... Mais pas morte, morte. J'ai entendu ta voix. Non, tu m'as amené ici, je te vois maintenant. Je ne suis qu'un fantôme. Une partie de moi survit dans la pierre de l'âme. Mais rien à voir avec le réel. On va trouver une solution, il y a peut-être non. Un moyen de... C'est sur elle que tu dois te concentrer. Aide-la à accepter que je ne reviendrai pas. C'est juste... que j'aurais aimé que tu m'en parles. Te parler de quoi? Me parler de Nikki. Tu sais... Toi et moi, 12 ans en arrière... Oh, Peter... J'ai fait le calcul. Sa promesse est fausse. Oui, je sais, mais le reste est vrai. Non, tous les deux, sur Mercure. Je me rappelle cette nuit-là. Tout comme moi. Mais Nikki n'est pas ta fille. Elle n'est pas mon enfant. Je comprends pas. C'est une orpheline de guerre. Durant le rapatriement, le Conseil Kree éliminait ceux dont le sang n'était pas assez pur. Nikki était... une petite fille innocente. Je ne pouvais pas les laisser la tuer. Alors... je suis pas... père. Non. Pas le sien, en tout cas. Wow. Ok. Mais elle a besoin de toi, malgré tout. Elle doit me laisser partir. J'ai essayé, mais elle écoute rien. Il le faut. L'anniversaire, les cadeaux... absolument tout ce qui pourrait la rattacher à une fausse version de moi, de nous. Détruis cette illusion et force-la à t'écouter. Mais enfin, tu sais que c'est pas dans mes corps... Si, ça l'est. Tu n'as pas le choix. Je sais. C'est émouvant, dis donc. Bon. Oui, maman. C'était bien elle, non? Elle viendra pas. Bien sûr que si. Je parie que c'était juste Carlos pour nous dire qu'elle était en retard. Ça veut dire que j'ai encore le temps de mettre de la musique. Détruire le mensonge. Détruis le mensonge, Peter. Je t'en supplie, écoute-moi, Nikki.
On peut en parler après l'anniversaire de maman? Ta mère ne viendra pas. Rien de tout ça n'est réel. N'importe quoi! Elle va pas tarder. Non, Nikki. Tu te trompes. Arrête de vouloir tout gâcher. Nikki, s'il te plaît. Non, je veux pas t'écouter. Nikki, écoute-moi. Laisse-moi tranquille. Elle est là à voir la vérité. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour lui montrer? Force-la à t'écouter. Ah bah, t'es gentil. Je vais aller voir ailleurs. Qu'est-ce que je peux faire? Elle va venir. C'est pas étonnant qu'elle rêve de ça. On a l'air tellement heureux. Papa? Papa? Allez, lève-toi! Faut qu'on se dépêche! Nikki? Il faut tout préparer pour maman, elle va bientôt rentrer. Allez, lève-toi! Quoi? Retour à la case départ. Hein. Faut tout recommencer. Ça peut se réparer. Détruis la fausse promesse. Je t'en supplie, écoute-moi, Nikki. On peut en parler après l'anniversaire de maman? Ta mère ne viendra pas. Rien de tout ça n'est réel. N'importe quoi! Elle va pas tarder. Non, Nikki. Tu te trompes. Arrête de vouloir tout gâcher. Hé! Mais ça va pas? Je suis désolé, Nikki. Non! Maman va venir. Ça suffit! Arrête! Arrête de tout gâcher! Ok. Ça va. C'est pas réel, Nikki. Rien de tout ça n'est réel. Je te déteste. Tu n'es pas mon père. Tu n'es pas mon... Hé, ma puce. Je sais. Tu as tout gâché. Tu as tout fichu en l'air. Maman allait revenir et... Tout ce que je veux, c'est qu'elle soit là. Si quelque chose ou quelqu'un passe cette porte, ce sera pas ta mère. Ça t'en sait rien. Il y a plein de choses que je sais pas. Comment éviter de faire des gaffes ou de me faire arrêter? Comment consoler une jeune fille de 12 ans dont le chagrin plus que légitime pourrait détruire la galaxie? Mais ça... La promesse, Nikki... Je reconnais une arnaque quand j'en vois une. Ça ne te concerne pas. Qu'est-ce que tu fais là, d'abord? Je m'en fiche que ce soit pas réel. Je veux juste que tout redevienne comme avant, même si ça veut dire refaire ce stupide gâteau pour l'éternité tout entière. Je préfère imaginer qu'elle va revenir plutôt que d'admettre que c'est terminé et que... Et que tout est de ma faute. Si je ne l'avais pas déconcentrée, et je m'étais dépêchée, si ça n'était pas arrivé... T'es pas responsable de sa mort, Nikki. Tu dois pas te sentir coupable. Pourquoi pas? C'est vrai, si j'avais juste... Non, non, c'est pas vrai. T'as pas créé cette chose. Tu l'as pas libérée. C'est pas ta faute si ta mère se trouvait là. Beaucoup d'erreurs ont été commises, Nikki, mais en aucun cas, tu n'en es responsable. Elle pourrait revenir. Il n'y a que toi qui peux rejeter ce mensonge, Nikki. Mais en ce qui me concerne, je sais que c'est pas elle. Je pense que c'est une chose très méchante qui veut dévorer toute la galaxie. Et tu sais, ta mère, malgré tous ses défauts, ce n'est pas une dévoreuse de galaxie. Mais peu importe ce que je pense, parce que c'est pas ma promesse.
Je peux pas la détruire à ta place. Alors, disons que la chose affreuse derrière la porte n'est pas ma mère. Ça me va très bien. Je n'ai aucune idée de... Les autres, comment ils... Je suis censée écraser des gâteaux toute la journée. Ça peut aider de se défouler. Mais... Il y a d'autres moyens. Qu'est-ce que tu fais ? Un truc de terrien. C'est ma mère qui me l'a appris. Le principe, c'est d'allumer quelque chose en souvenir d'une personne. Pour lui rendre hommage. Je veux dire, c'est pas magique ou rien de tout ça. Ça fait revenir personne, mais... Tu vois, c'est symbolique. C'est un petit geste pour apaiser un truc moche. Des fois, c'est tout ce qu'on a. Je repense sans arrêt à l'ascenseur. Elle était en colère contre moi. Pas si en colère. C'était juste une maman inquiète. Hé. Quoi qu'il arrive, tu n'es pas seule. Ok ? Mais il y a une chose que je dois faire toute seule. Et pour toi. Sinon Warlock fait y passer. Occupez-vous du fan club de hackers. C'est reparti. Les piques. Chopelet ! Ces adorateurs là ! C'est des humains ? Ils empêchent de descendre, hackers ! Alors, éclair. L'inspiration de l'âme. Le sorcier Rocket, Drax, envoie la sauce. Ici, toi tu viens par là. Il faut couper le lien qui unit le monde. Aïe aïe aïe. C'est chaud, chaud, chaud. Stay dans le vif du sujet.
J'envoie tout, hein. Il y en a partout, c'est incroyable. Combo encore. Deux à la suite. Wow. Allez. Vous ne les obligez pas à vous tuer. La tête d'enclume régénère ses copains. Depuis que tu tiens la bombe, un problème, la corruption. Ah zut, j'ai activé le rassemblement sans faire exprès. Bon, tant pis, on va le faire. Y'a plus de choix maintenant. Quel régal! Je m'étais pas autant amusé depuis la guerre galactique. Mieux vaut la garder à l'œil, Quill. Elle s'est battue dans les deux camps, pas vrai? Alors que moi, quel que soit le camp, je liquide tout le monde. Oh, j'adore transformer ces empaffés en confettis. Alors, ne peuvent pas gagner contre des renégats comme nous, je comprends, mais gardons la tête froide pour gagner. Hé, les amis! Ces clowns nous battront jamais! On est recherchés! L'assassin, le rongeur et l'arbre sont peut-être des criminels, mais j'ai purgé ma peine! Je voulais dire, on est des renégats! On ose se mouiller parce qu'on a peur de rien! Alors, est-ce que ça vous dit de m'aider à enterrer tous ces lombriques? Qui est avec moi? C'était génial, hein? Oh, génial! Ah, apparemment, c'était la mauvaise réponse? Ouais, bon, c'était pas évident. Ah, y'a la musique, c'est normal? Habituellement, y'a jamais de musique. Ça sent pas bon, ça. Je suppose que le mode streamer fonctionne très bien, hein. Évidemment. Il est pas mort, lui? Attends. Ok. Rocket. Ça lui fait de l'effet, apparemment. Maintenant. Maintenant, vous allez. Super discours. Éclatez-le. J'aurais dû attendre avant de faire le rassemblement. J'aurais dû attendre l'ultime boss, tu vois. Alors par contre, on m'explique pourquoi je ne peux plus tirer ni faire une esquive. C'est normal, ça? Pitié. Je vous jure que c'est vrai, je peux plus tirer, rien. Toujours. D'accord, on charge le point de contrôle. Il y a eu quelques bugs, hein, pendant le jeu, rien de bien méchant, mais enfin, ça tout de même, c'est... Super discours. C'est bizarre. Éclatez-le. Est-ce que maintenant je peux bouger? Eh bien oui. Je vous jure que c'est vrai, hein, il y avait un foutu bug à la noix. Allez, mon grand. Attention, ça j'esquive. Alors qu'est-ce qu'il craint, lui? La glace, je pense pas. Drax, vas-y, prends ça. Je t'en prie. Elle est pique. Witch, fais les trocuter. Il paraît que ça t'a remis les idées en place. Totalement. Ça te plaît? Allez, on envoie la sauce. Maintenant. Quoi? Et t'en fais les craves. Comment? Faites vos adieux. La corruption! Cet adversaire est bien protégé! Interdiction de bouger! Il nous a tous utilisés! Ah, j'ai l'impression que quand je l'attire vers moi, ça casse son bouclier! Ralentis-les! Est-ce que c'est moi qui délire? Je ne sais pas. Désintégration! Je ne pense pas que je délire après. Ok. Je suis invincible, que tranquille. Ma me préserve. Impossible. Il a remis son bouclier. J'aimerais bien pouvoir souffler un peu. Ah d'accord. Tiens bon. Les gars, dégelés. Les trois sont gelés. Tape dessus. Wow. Il est pour moi celui-là. C'est marrant, faut tapoter dessus. Aïe aïe aïe. Il est chaud, hein. Allons voter des fesses. Ok. Bon, nous soignons en même temps. Ouch, il m'attaque.
sens mieux, merci. Ligotez, route. Amplificateur, pitié. Ouais, faut la tirer, effectivement, ça lui retire son bouclier. C'est bien ça, c'est sûr. Il a plus de bouclier. Ensuite, t'es tranquille. Vérifie, c'est bien ça, on va le refaire. Non, ça marche pas là. Ok, peut-être différents effets à chaque fois, c'est peut-être pas la même chose. Je sais pas, attends, je tente la glace. Quoi ce bordel? Waouh, je suis enfermé. Les éclairs peut-être. Ah, c'est le bordel, je vois plus rien. C'est un bordel. Hop. Ah, faut attendre d'avoir des pouvoirs du coup. Attends, je vais le dégeler. Reviens avec nous. Ah, je peux faire croquer. C'est quoi ce bordel? Où est-il? Ah! Il me rush. C'est quoi ce combat? Invincible. Ok, j'ai aucune idée d'où il est. A priori par là, vu qu'il nous a tiré dessus. D'accord, on voit la boule. C'est le bordel. Ouais, j'ai l'impression que ça marche pas du tout, hein. Putain, ce bouclier, comment on fait pour lui? Ah, il l'a plus! Let's go, les gars! Let's go! On va tout! Il reste encore une barre de vie. Il est un peu chaud, hein. Allez, Drax! Balance! Ah, il a récupéré son bouclier, ok. Ouais, pour lui fragiliser son bouclier, j'avoue que je comprends pas, je pensais que c'était ce pouvoir-là, puis finalement non. Le feu non plus. Waouh. Et la glace non plus. D'accord. Rien quoi. Pas rester enfermé. Je tire simplement dessus alors. Ah oui, mais son bouclier de toute façon là il prend cher. Écartez-vous les affronts, écartez-vous. Du soin. Allez-y, tac tac tac, grosse artillerie pour briser le bouclier. Allez, 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 allez. Enferme-le, enferme-le. Faut qu'il arrête de bouger. Tant pis. Feu d'artifice, Roquette. Vas-y, 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 il lui reste plus qu'une barre de vie. Il a repris son bouclier. Bon, ça avance, mais c'est juste qu'il est un petit peu long. Il est pas spécialement dur. Il est un petit peu long. Oh non. Alors par contre, quand on est dans le noir, comme ça... Oh, oh, oh. Quand il est dans le noir, on ne peut plus faire quoi que ce soit. Je suis pas flou. Oh, 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 oh. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, je t'ai vu. Ah bah si tu vois une ouverture, moi je vois rien du tout. Ok, saute vite. Ok. Allez. Ouais non, je pense que ça marche pas du tout ça. Ok, tirez dessus. Ouh là là. Ah d'accord, faut qu'il soit sur le rayon, je crois, non? Après, ça lui retire pas encore plus de vie. Je me suis fait exploser. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. Encore, 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 toujours, on s'arrête pas. Oh là là. Waouh, 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 waouh. Allez, le pic. On y va. Vas-y. C'est bien joué. Électricité, il est pas bien. Tirez les enfants. Maintenant.
100 fois, dis-moi. Non. 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 Oh, pitié. Pas si près du but. Pitié. Il vous a menti. Et à moi aussi. Regardez-le. Regardez-le bien. Mon enfant. Vous avez réussi. Vous les avez tous ramenés. Voyez devant vous votre bienveillant gardien de la galaxie. C'est terminé, les amis. D'accord, d'accord. Sur ce coup-là, je m'incline. Ok. Bon, on y va. La foule en délire nous attend. Alors, on a gagné ? Bien sûr qu'on a gagné ! On devrait sauver la galaxie plus souvent. Carrément ! Et je promets de pas la détruire à moitié la prochaine fois. C'est fini les promesses pour toi. On a mérité cette victoire alors. Savourons-la comme il faut. Te voilà, mon grand ! Nous avons de nombreux éléments à ajouter au rapport. Affaire classée. Pas besoin. Gardien de galaxie. Fidèle à réputation. Ils ont eu de l'aide. Oh là là! Mais d'où est-ce que vous sortez, vous? Si gardien cherchait travail, Cosmo toujours courir après problème. Je crois que ce qu'il nous faut, surtout, c'est une bonne balade. Tu penses vraiment que ça va finir aussi bien ? Tu t'es bien battu, Destructeur. Tes petits amis délicats aussi. La dame me trouve délicat. Et qui est donc cet adorable petit bonbon dans son joli emballage doré? Oh, dégoûtant. Lady Elbender, nous regrettons la mort de ces bêtes formidables, mais nous saluons leur sacrifice. Elles sont mortes en protégeant la meute. C'est une fin honorable. Vous allez regagner Seknarf 9?
Nous devons d'abord construire une tanière appropriée pour Foum, sans quoi il dévorera toutes les créatures de mon monde. Si jamais il s'échappe, appelez-nous. On vous fera un prix d'amis. Tout est bien qui finit bien. Oh, puis ce dragon là, il est tellement bien fait aussi. C'est le meilleur jeu de l'année. Hein. Ou en tout cas, dans les meilleurs. Hein. Y a pas de doute. Conformément à nos calculs, le dieu doré a joué un rôle clé dans la chute de l'Église universelle de la vérité. C'est une analyse adéquate. Avouez quand même qu'on vous a empêché de prendre la pire décision de toutes vos vies collectives, non ? Deux fois. L'analyse de vos données supplémentaires a en effet ajusté certains calculs. Ah ! C'était pas du tout forcé, ça. Je tiens à m'excuser parce qu'effectivement il y a ici un copyright, une musique de Kiss. La musique c'est I Love It Loud, alors vous l'entendez pas, hein, je mets une musique en remplacement qui n'a rien à voir avec celle d'origine et c'est bien dommage. C'est vrai que pendant tout le jeu on n'a pas eu de soucis grâce au mode streamer, mais là, je ne sais pas pourquoi, dans cette cinématique, eh ben le jeu s'est dit « Fuck, Nardine, je te place une musique bien copyrightée à fond parce que c'est du Kiss et du Kiss. Hein. » Donc forcément tu pouvais être sûr qu'elle allait avoir un souci avec... notre ami YouTube. En tout cas, je vous laisse, voilà, la cinématique. Même si effectivement vous n'avez pas de son, vous n'entendez pas les voix, mais au moins, vous voyez ce qui se passe. A tout de suite. Ah d'accord, donc en fait on a eu la bonne fin tout de suite. Ah je suis content hein, ça veut dire que j'ai fait les bons choix. C'était trop cool. Ah. Ah. Mes oreilles. Ah. Aïe aïe aïe. C'est quoi ça? Attendez! Y'a un bug de son! Promesse rompue. On a eu un trophée en plus. Alors c'est bugué avec le son, la musique. Ah, c'est bon, je pense. Ça s'est arrêté. Éblouissante. Oh, c'est pas vrai! Le Magus. Oh oui. C'est dans celle-là que le dieu doré est dévoré par le mal et essaie de détruire la galaxie. Et je crois qu'il y parvient. Pourquoi j'entends la punaise dans ma tête, moi? Parce que je suis dans vos têtes à tous. Comme ça, le Magus ne peut pas entendre votre super plan. Quel plan? Oh bah ça, c'est à vous de le trouver. Lui. Moi. Et le festin pour toi. Ouais, et on va tous mourir. Ma dernière forme, la nouvelle norme. Et la pierre
Quand cette chose nous a attaqué, ma mère et moi, elle était terrorisée par la pierre. Oui, j'ai aussi ressenti sa peur de la pierre. Oh oui, la pierre ancestrale, l'une des six. C'est la seule chose capable de contenir l'âme toute puissante du Magus. Ok, donc on doit l'attirer près de nous et lui lancer le caillou magique dessus. Exactement. Pauvre petite miette insignifiante. Que tu es en train de chanter. Mantis, comment on fait pour attirer l'affreux? Prosternez-vous devant le maître de tout. En faisant ce que vous faites le mieux, gardien. Non, pas en étant gentil. Je pense qu'elle veut dire en se montrant exaspérant. Si quelqu'un peut mettre un dieu en rogne... C'est bien nous. Allez, genoux à terre pour vénérer votre dieu. Car ici, qui mieux que moi pourra faire régner la loi? Et cela pour le dérisoire prix de vos armes. Bravo! Bravo! Tu l'applaudis, toi. C'est une acclamation ironique. Tu crois qu'il sait que c'est ironique? Oui! Applaudissez votre divinité. Non. Tes paroles ne sont que mensonges et vaines promesses. Et personne ne t'aime. Alors pourquoi ces applaudissements? On se pète la tête en douille. Cortage! Oh, j'ai dit, prosternez-vous! Ok, des petits ennemis qu'il envoie. Forcément, ça terminait trop bien. Ça pouvait pas être aussi à Clienne, quoi. Bien ce qu'il me semblait. C'était plutôt pas mal, non? Ouais, mais l'heure n'est pas encore aux applaudissements. Drax, ravage tout! Allez, on voit tout! Secoue-moi ça, Drax! Prépare-toi à souffrir! Imminent. Merci bien. Oh, tu te déchires. Tu es Drax. Sors la grosse artillerie. Eh, hey, Magus. Oh, tu nous impressionnes, franchement. Hein? Tu crois qu'on a peur de toi? Mais, écoute, Magus. Il n'y a que moi qui ai le droit d'ignorer Peter. Il est impressionnant, quand même. Hein. Pourquoi résister? La pierre! Tu dois utiliser la pierre! Il est toujours trop loin! On dirait qu'il fait exprès de se tenir à l'écart! Qu'est-ce t'attends, là, Quill? Dis un truc pour le déconcentrer? Oui! Énerve-le avec tes paroles en l'air! Insectes infects qui se débattent! Vos efforts sont insignifiants! Chara, Beluga, tu fais des rimes! Ça va, on a compris! Comment tu fais pour être encore plus insupportable qu'avant? Hein? Trop tard, verglas, etc. Dites-moi! Vous commencez à m'énerver. C'est notre spécialité! Combat, format, matelas! Vous dites n'importe quoi! Nous, on dit n'importe quoi? Enfin, tu débites des kilomètres de salade depuis qu'on t'a rencontré, les Tumans! Et en plus, maintenant, tu fais des rimes?
Ingrats inconscients. Je crois que c'est bon, là, il est tout chafouin. Vous êtes de la planète. T'es prête à nous sauver encore? Fais attention. T'inquiète, c'est moi qui ai des super pouvoirs maintenant. Cette gamine commence à me plaire. Ok, je pense que ça marche. On doit juste tenir encore un peu. Je peux invoquer autant d'armées que je souhaite. Oh, c'est... Hé hey, y'a encore ces trucs. Emballe ça, mon pote. À toi de jouer, camarade. T'inquiète pas pour ça. Continue ce que tu fais, pour Brax. Découpe-moi ça! C'est quand même un joyeux bordel encore une fois là. Faut pas aller trop au bord du coup hein. Parce que ça devient transparent. Si on continue comme ça, tu vas pas marcher. Je le sens. J'espère que la gamine soit prête avec la pierre. Tôt ou tard, tous se prosterneront devant moi. La galaxie entière se prosternera. Hé, hey, la pierre fait un truc bizarre. Ça y est, c'est le moment, gardien. Abatte-le, Quill. C'est le seul moyen de l'avoir. Prosternez-vous. J'ai dit à genoux. Bon, mets-toi bien ça dans le melon qui tient de crâne. On capitule devant personne. Non mais attends, sérieusement. Tu sais qui on est ou quoi? Ouais mon vieux, on est les gardiens de la galaxie. On a des cartes de visite. Et on préfère mourir que de se prosterner devant toi. Vous osez défier un dieu? Avez-vous la moindre idée de ma... Qu'as-tu dit? Elle a dit que t'étais un gros naze. Oh, vos insultes sont une insulte à... ma... La pierre! Utilise la pierre! Incroyable. Peter Quill. La pierre va te consumer, Quill. Exactement comme la première fois. Allez, cours. La pierre va les consumer tous les deux. C'est trop tard pour essayer de te racheter. Je vais te tête de lune. Lâche-la tout de suite. Non. Moi qui ai libéré cette chose, et je compte bien la renvoyer d'où elle vient. Le Magus. Critique de poésie. Je s'appelle Groot. Il va s'en sortir. Pas vrai, Mantis? L'important, c'est qu'il ait réussi. Vous avez tous réussi. Ce n'était pas à lui de se sacrifier. «
été payé? Pas encore, mon pote. Ça veut dire que c'est fini? Genre, fini pour de bon? Le Magus a été maîtrisé pour l'instant. La plus insatiable entité de la galaxie est à nouveau prisonnière de la pierre de l'âme. Il ne reste plus qu'à décider ce qu'on veut en faire. La détruire. Ces deux idées sont très mauvaises. Je s'appelle Groot. Groot dit qu'on devrait combiner les deux idées. La pierre n'est ni une bombe ni une babiole. Et elle n'est pas votre fardeau. Oh, 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 oh! Ce type a failli nous tuer et engloutir la galaxie! Vous ne pouvez pas maîtriser ce mal. Je l'ai engendré. J'en suis le gardien. Personne ne peut garder cette chose. Mantis, quel est le risque que la galaxie soit à nouveau menacée si on garde la pierre? Très grand. Et si on la confie à Boucle d'Or? Pas si grand. L'enfant a raison. Un jour, peut-être, mon âme pourrait ployer sous le poids de sa puissance. Mais je ne suis pas seul. Juste pour être sûr, c'est quoi le risque que la galaxie elle soit dévorée toute crue si on la vend, la pierre? Il est gigantesque. Le meilleur moyen de s'assurer que le Magus ne s'évade pas à nouveau, c'est d'y veiller ensemble. Alors, si jamais tu te sens ne serait-ce qu'un peu fiévreux... J'appellerai ton équipe, aussi rocambolesque soit-elle. Je m'y suis attaché. Et j'implore votre indulgence pour avoir voulu vous tuer et engloutir la galaxie. Un terrible moment d'égarement. T'inquiète pas, on est désolé d'avoir dit des trucs pas cool sur toi. S'il est vrai qu'un homme doit contrôler sa nature, nul autre que lui-même ne saurait être maître de son humeur. Il parle vraiment tout le temps de cette façon? Je veux simplement signifier qu'on est quitte. Ouais, d'accord, mais c'est pas moi qu'il faut convaincre. Oh, certainement pas. Oh, que si. Alors? Oh, répugnant. Ok, bah maintenant je suis convaincu. Et voilà, c'était les Gardiens de la Galaxie. Je me disais aussi qu'on n'avait pas terminé. Eh bien, c'était incroyable, les amis. C'était... waouh, juste waouh. Et là, le son n'est pas buggé, heureusement, parce que lors du premier générique, qui était bien moins beau que celui-là d'ailleurs, sincèrement, le son, il était explosé, quoi. J'ai adoré ce jeu. Vraiment, je pense que vous aussi, j'ai lu un peu les commentaires et vous êtes comme moi, vous avez... du début à la fin, accroché, on ne s'ennuie jamais. Alors, particularité de ceux, les Gardiens de la Galaxie, c'est que les persos parlent tout le temps, il y a des dialogues tout le temps dans le jeu, donc c'est vrai que pour moi, c'était un peu compliqué, tu vois, de discuter avec vous, mais je trouvais ça vraiment très très cool. Ça changeait justement de tous les autres jeux, et là, à aucun moment, je me suis dit, oh, c'est quand la fin, c'est quand que ça se termine. Et d'ailleurs, je suis étonné, parce qu'on termine aujourd'hui. Bon, je pense que la vidéo sera longue, j'ai pas fait gaffe, du coup, je l'ai pas coupé. Tant pis, mais non, sincèrement, c'est la preuve aussi, quand on fait des longues vidéos comme ça et qu'on voit pas le temps passer, c'est vraiment que c'est génial. Moi, j'ai tout aimé. Les graphismes, très très beau. Alors, on était en plus en mode graphique, donc 30 images secondes, certes, mais avec une qualité mais incroyable sur PS5, là, pour le coup. Vraiment, je pense que le mieux, c'est de le faire sur PC si vous avez une grosse machine. Comme ça, vous avez et les graphismes de fou, visuellement, donc avec les effets, le ray tracing, même sur PC, etc. Et en plus, le 60 images secondes et plus, si vous avez vraiment une machine de course. Franchement, non, c'était une totale réussite pour moi. J'ai adoré les graphismes, la bande-son, même si on n'a pas pu en profiter déjà, je trouve qu'il y avait de l'ambiance. Donc imaginez en plus si on ne met pas le mode streamer. Du côté des défauts, on va dire les rassemblements, qui n'étaient pas forcément, je trouve, utiles dans le jeu. Ça ralentissait un peu, ça coupait le rythme en combat, je trouve. Et bon, au bout d'un moment, t'avais vu un petit peu tous les dialogues, c'était pas hyper intéressant. Voilà, d'ailleurs, vous l'avez remarqué aujourd'hui, il me semble pas, je l'ai lancé une fois sans faire exprès en plus. Mais sinon, ça commence à me saouler, voilà, je lançais même plus les rassemblements. Oh, ce plan avec le dragon, magnifique. Et on arrive à la fin du générique, est-ce qu'on a une petite scène bonus? Ça va, je peux dormir dans le canapé. Le canapé est infect, j'ai vu le rongeur faire ses besoins dessus.
Elle dormira dans la chambre de Gamora. T'as vu ça où ? Oh, arrête, t'es une fille. C'est une fille, vous jouerez à la poupée. C'est vraiment n'importe quoi. En tout cas, elle aura pas ma chambre. Fin de la discussion. D'accord, tu devras faire construire une nouvelle chambre et peut-être même une salle de bain et convaincre les autres qu'une nouvelle recrue est une bonne chose. Une recrue de 12 ans. Une recrue qui aura peut-être besoin que tu sois son parent de secours. Attends, arrête, mec. Enfin, tu viens de sauver la galaxie deux fois. Alors, de toute évidence, endosser ce nouveau rôle, ça va être absolument, très certainement... Tu peux gérer son éducation, tu ne peux pas t'occuper d'une gamine. Ça va le faire. Mais c'est vrai, quoi. Si tu t'en es sorti avec Racker et le Magus, tu sauras forcément gérer une gosse de 12 ans. Ouais, c'est ça. Un peu de conseils par-ci, un peu de devoirs par-là, deux, trois légumes de temps en temps. Où est-ce que tu veux que je trouve des légumes, moi? Ah, c'est génial. À moins que Groot sache faire pousser des légumes. Oui, oui, ce serait même plutôt intelligent de lui demander ça. Et si tout le monde décide de mettre un peu de bonne volonté pour faire quelques sacrifices... C'est vrai, tu les connais. Ouais, ils sont... Enfin, très franchement... ils ont de grandes qualités. Je veux dire, c'est vrai, Drax est courageux et il a été père. Groot, lui, il est bienveillant et protecteur. Et Rocket saura, il saura lui apprendre à se faufiler. Et Gamora, Gamora, elle s'y connaît en honneur, en discipline et en truc de fille. Ouais. Alors, du coup, même si tu t'en sors pas tout seul, eh ben, en fait, t'es pas tout seul. Et tu sais quoi ? Nikki fait partie du jeu maintenant. Elle rejoint notre famille. Et une famille, ça se soutient en toutes circonstances. Même si on doit improviser un peu chaque jour. Ça va le faire. Peter Quill ! On a décidé que l'enfant prendrait ta chambre. Et toi, le canapé. Décision unanime. Attendez. Quoi ? Ok, on en discute. Qu'est-ce que ces coordonnées ? Tout est prêt. Donne-nous le signal. Tu peux me rappeler où acheter on va ? Acheter des cartes de visite. Et voilà, je pense que cette fois-ci, c'est vraiment terminé. Il y a combien de génériques ? En fait, il y en a 3 ? C'est énorme. Allez, on va le passer. Je pense que ça en définit les scènes bonus. Ah, sentant enfin que les gardiens sont unis, Star-Lord est devenu obsédé par la publicité. Il a commandé de nouvelles cartes de visite où le mot « héros » apparaît en gros et en gras, et a inscrit l'équipe à plusieurs remises de prix galactiques. Il se demande même s'il ne va pas changer de coiffure. Star-Lord a aussi demandé à Rocket de laisser le trou grignoté par Camille dans le mur de sa cabine. Certaines nuits, il lui arrive de se disputer la couette avec un Omnipacus Galaxius qui bave et qui ronfle. Star-Lord s'est aussi vu remettre la clé de Nowhere par Cosmo pour le remercier de l'avoir aidé à rejeter la promesse. Pour l'instant, elle est calée contre la porte du frigo pour l'empêcher de s'ouvrir. Ah oui, cette fameuse porte, elle est tout le temps ouverte, c'est chiant. Maintenant que la bonne entente règne enfin au sein d'équipe, Gamora a invité tout le monde à une formation rigoureuse pour qu'il apprenne à se battre comme un. Après seulement 6 sessions, Star-Lord affirme qu'il se batte comme de vrais ninjas. Gamora ignore ce qu'il veut dire par là. À la grande surprise des gardiens, Rocket a installé un jacuzzi mercurien chauffé au rayon gamma dans la soute. Il en a officiellement fait son bureau et y organise des réunions d'équipe quotidiennes. Il fournit les boissons, mais pas les serviettes. Pour immortaliser leur aventure placée sous le signe de l'unité et de l'honneur, Drax a proposé aux membres de l'équipe de leur faire un tatouage catassien. Groot a guéri instantanément, mais il affirme qu'il sent toujours la marque à l'intérieur. Les autres gardiens ont eu mal aux fesses pendant plusieurs rotations. Soucieux d'améliorer sa communication avec l'équipe, Groot a demandé à Rocket de l'aider à enseigner le Groot aux autres. Il a rapidement abandonné, car il répétait sans cesse les trois mêmes mots en boucle. Maintenant, Star-Lord essaye d'apprendre à Groot les quelques mots de la langue des signes qu'il a appris dans les films. Il arrive aussi à Groot de garder le silence et de faire semblant d'être son double. Ce qui me manque, ne manque pas de terrifier ses équipiers. Groot a enfin convaincu Star-Lord d'essayer sa tisane de Groot.
Le lendemain matin, Star-Lord s'est réveillé avec une plante au milieu du front. Après avoir assisté à l'hommage en grande pompe à Corel, qui a attiré des dizaines de milliers de personnes, Nikki a fièrement révélé sa chevelure éclatante aux accusateurs Kree et leur a dit qu'ils pouvaient se mettre leur marteau où elle pensait. Les gardiens sont sa nouvelle famille et elle appelle parfois Star-Lord papa pour le mettre mal à l'aise. Camille a perdu une quantité impressionnante de poils, qui se sont révélés remarquablement doux. Les gardiens ont revendu cette laine au marché noir pour une somme faramineuse et Drax s'est lancé dans le tricotage de moufles pour toute l'équipe. Énorme. À peu près sûr d'avoir peut-être réalisé un de ses nombreux devoirs en tant que Madone Céleste, Manti s'est attelée à régler les derniers détails, mais elle s'est perdue en cours de route. La dernière fois qu'on l'a vue, elle donnait des conseils à une reine des monstres très énervée. Le crédit d'avoir arrêté l'église universelle de la vérité a été attribué en grande partie à Adam Warlock. Quand il a eu fini de récolter les lauriers de la gloire galactique, il a repris son rôle de guérisseur et s'est mis à arpenter la galaxie pour aider ceux qui s'étaient égarés dans la promesse à revenir à la réalité. Cosmo est toujours le meilleur. Ah, c'est trop bien, c'est trop bien. Eh ouais, là on a également le bouquin, voilà, si on veut revivre un petit peu ses aventures avec tous les chapitres. Regardez, 15, 14, 13, c'est excellent. Vraiment, c'est trop bien. Ouais, retour au menu principal, et bien écoutez, c'est terminé les amis, cette aventure sur les grains de la galaxie, j'avais pas envie que ça se termine tellement le jeu est bon. Vraiment, il y a tout, ce jeu, il a tout. Et maintenant, on a débloqué la nouvelle partie plus, voilà, et ben, je me le ferai peut-être. On peut aussi peut-être faire chapitre par chapitre, hein. Ouais, il y a moyen. Voilà, si on veut débloquer, il nous reste juste quelques trophées à réaliser dans tel ou tel chapitre. GOTY ou pas GOTY? Franchement, pour moi, c'est l'un des jeux de l'année, si ce n'est le jeu de l'année. J'ai adoré de bout en bout, et j'ai limite envie de me faire une nouvelle partie plus. C'est bête qu'il y a beaucoup de jeux qui arrivent prochainement, enfin je suis content en même temps, mais j'aurais aimé avoir le temps, tu vois, pour refaire celui-ci éventuellement, ou aller dans les différents chapitres pour vraiment avoir tous les trophées, mais je risque de manquer un petit peu de temps, je le ferai plus tard, je pense, hein, quand j'aurai un peu plus de temps pour moi. Bref, merci à tous, on se retrouve très bientôt pour plein de nouvelles aventures, très bientôt dans les prochains jours, vous le savez, Forza Horizon 5 débarque, on aura également une nouvelle série sur Call of Duty Vanguard, bien sûr, donc deux grosses, énormes nouveautés. On enchaînera avec Jurassic World Evolution 2, je pense. Je suis pas sûr, mais je pense que je ferai au moins une découverte, voire un let's play comme sur le premier. Et il y aura ensuite également GTA Trilogy. Eh oui, je pense qu'on commencera par San Andreas, Remastered. Comptez sur moi, bien sûr, pour assurer un gros mois de novembre encore une fois. Merci encore à tous pour le soutien tout le long de la série et de toutes les séries en général. Merci d'être là, merci d'exister. On se dit à très bientôt pour la suite de nos aventures. Encore merci à tous, à très bientôt. Ciao, ciao.